Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais faire la vidéo pour le soin de mardi 9 juin. Non, pardon, mardi 8 juin, non, c'est pas ça. C'est mercredi 9 juin, excusez-moi. C'est le mercredi ce mois-ci. Je change un peu les jours parce que justement, pour que ce soit accessible à toutes les personnes. Mercredi 9 juin, je propose un soin. C'est le soin de l'aura déparasitage. Donc, on va se déparasiter. On emmagasine toutes sortes d'énergies négatives, que ce soit au contact de gens qui sont toxiques ou de situations ou de peut-être de cette crise hein, nous parasite. Donc, on va faire ce soin qui m'avait été proposé donc par les archanges. Donc, on va prendre une carte, on va faire une guidance. Alors, pour vous inscrire au soin, c'est simple. Vous m'envoyez un mail. Je vous envoie suite au mail le déroulement du soin suite à votre participation libre. Je demande une participation libre. Chacun est libre de donner ce qu'il veut. Voilà, on va prendre ces quatre cartes. On les recouvrira ou pas, on verra. On prendra une carte de prière aux anges. Prière aux anges. On va demander à un ange une prière. Peut-être pour nous aider à nous dépolluer de ces parasites. Et là, je n'entends pas de numéro. Alors le 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il suffit que je dise que je n'entends pas de numéro et j'entends un numéro. Donc bon. Et on a l'archange Michael qui est avec nous. Et j'ai envie de prendre une carte de message d'éveil. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de carte d'éveil. Et là, je prends la 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, on va regarder ce que ça donne. Il faut que vous soyez vous-même. Il faut que le divin qui est en vous s'exprime. Vous n'êtes pas vous-même. Pour certains et certaines, vous avez un masque, vous avez peut-être... Peut-être que ce sont les gens autour de vous qui vous polluent, qui sont des parasites. Hein, le déparasitage, ça va être par rapport à votre entourage et par rapport à ces choses toxiques qu'on emmagasine. On emmagasine beaucoup de choses toxiques, même si on fait attention à ce qu'on mange, même si on fait attention à des tas de choses. Il y a quand même toujours... c'est tellement pollué maintenant que... Voilà, c'était pour ça que ce soin m'avait été proposé. Le divin en moi s'exprime. Attention à vos pensées, parce que vos pensées sont créatrices. Donc, si vous pensez négatif, vous allez attirer à vous du positif. Si vous pensez positif, vous allez attirer à vous du positif. D'accord ? Et des fois, quand vous ne pensez pas, ça arrive. Et bien, des fois, il arrive des choses aussi. Ça peut arriver. Il se passe des choses. On a, pour certains et certaines, l'échec permet la prise de conscience. Il y en a qui se sont rendus compte qu'on nous a peut-être berné sur la santé. Hein. On est en train de nous raconter des salades. Il y en a qui ouvrent les yeux. Il y en a qui se sont fait avoir. Et ce soin a été aussi prévu pour les personnes qui, cela peut arriver, regrettent d'avoir fait la psychose. Parce que, en fait, moi je me rends compte avec les gens que j'ai au téléphone que les personnes y croyaient à des choses, hein, comme on croit à un homme politique, alors on vote pour lui. Et puis qu'au final, on s'est planté, hein, on s'est fait avoir. Et bien là, c'est pareil, on nous a fait croire que les picouzes allaient peut-être nous aider, nous sauver, et en fait, c'est un échec, et on prend conscience justement de ça. L'échec permet la prise de conscience, on s'est trompé, on prend conscience. Pourquoi ? Parce que peut-être vous avez eu des effets secondaires, peut-être que vous avez décidé de ne pas faire la deuxième picouse, peut-être que vous avez décidé, ou peut-être que vous avez eu de la fièvre, voilà, ou peut-être que vous êtes tombé malade. Je ne sais pas si vous avez vu, comment il s'appelle, Benjamin Castaldi, moi c'est ce que j'ai entendu dire, il aurait été picousé, et juste après il aurait contracté le truc.
Donc, bon, il était assez énervé, remonté. Donc, bon, j'ai envie de dire, il craint plus rien. Mais bon, faut faire confiance à ses défenses immunitaires. Ceux qui se sont fait picouser, qui le regrettent, bon, voilà, ça peut arriver. Alors, je vais prendre, voilà, je vais prendre l'oracle des symboles de vie. Je vais recouvrir échec. Je crois que je vais les recouvrir les quatre. Vraiment, vous devez être vous-même. En fait, ce qui ressort dans ce jeu, c'est que vous êtes vous-même. On est tous nous-mêmes, en fait. C'est ça qui ressort dans ce jeu. On est tous nous-mêmes. Ceux qui croient que la picouse va les sauver, eh bien, ils ont raison. Leur pensée crée leur vie. Ils pensent ça. C'est vraiment ce soin, enfin, cette guidance, un rapport sur la santé, un échec. Il y a quand même un échec, hein. Voilà, il y a peut-être ceux qui croient que ils se sont fait picouser et ils regrettent. Et il y a ceux qui se font pas picouser et qui sont dans la peur quand même parce qu'ils savent pas, parce qu'ils voudraient bien, mais ils ont peur de savoir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, hop, il y en a une qui vient. On va la prendre. Alors. Alors, l'archange Michael me dit, on a tous, il faut avoir confiance, c'est rigolo, c'est la carte confiance en plus que je sors. Il faut avoir que vous fassiez, en fait, on a tous raison, hein. Il faut avoir confiance en soi, faut avoir confiance en son karma, faut avoir confiance à son incarnation de vie, c'est-à-dire à son chemin de vie. Qu'est-ce que vous avez décidé avant votre incarnation, avant votre réincarnation? Quel est votre contrat d'âme? Si vous avez signé pour être picousé, vous avez signé pour être picousé. C'est pas grave. Que vous le regrettiez, rien n'est grave en fait dans la vie. Ce qui est grave, c'est qu'on nous prend pour des idiots et qu'on nous berne. Mais vous savez, ce qui nous berne, il y a l'effet boomerang, je le dis souvent. Cet effet boomerang, il existe vraiment. Ceux qui nous font du mal récolteront du mal, que ce soit ici. Après leur mort ou dans une autre vie, ils mangeront. Et ça, j'en suis persuadée. Alors, voilà. Donc, il y a quand même quelque chose comme ça au niveau des parasitages. C'est vraiment un truc de fou parce que, bon, faut avoir confiance. L'archange Michael vient de nous dire, on a tous raison et il faut avoir confiance. D'accord? Il va y avoir cet été quelque chose, je l'avais dit, hein, que cet été il allait avoir, c'est plus une guidance pour le soin, mais plus une guidance, j'ai l'impression, prédiction. Cet été, il va y avoir des choses très très intéressantes qui vont se passer, donc bon, on fait confiance, hein, on fait confiance, on attend l'été en faisant confiance. Pour certains et certaines, ben, comme beaucoup, comme nous sommes beaucoup, nous sommes connectés. Et quand on est connecté à notre âme, eh bien, on a la victoire qui arrive. Parce que la victoire, ça va être cet été, quand tu te feras confiance, quand tu seras connecté à ton âme. On n'a pas mieux. Donc, pour tout ce qui est problème de santé, pour ceux qui nous dirigent, c'est un échec, hein, ils l'ont dans l'os, j'ai envie de dire, en étant poli. C'est presque une guidance de prédiction, hein, franchement, je suis scotchée. Alors, ceux qui ont confiance, ceux qui sont picousés ou pas, ce soin est accessible à tout le monde, d'accord? Il n'y a pas, personne est sur le bord du chemin, tout le monde peut participer pour que vous soyez enfin vous-même. Parce que là, on n'est vraiment pas nous-mêmes. Certains sont dans la peur, ils suivent un mouvement, pour pas dire un troupeau, parce que bon, les moutons, j'aime pas trop dire ça quand même, ça fait un peu beaucoup. Et puis, il y a ceux qui sont dans l'amour et qui ont peur de rien et qui, voilà. Alors là, on nous parle, la prière aux anges, ça va être d'avoir du courage. Parce que qu'est-ce qui se passe avec cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout le monde ouvre les yeux. Alors, certains seront endormis à vie et ne se réveilleront jamais.
Certains ouvrent les yeux, certains voient qu'au bout d'un an, il n'y a rien qui a changé, certains voient qu'on veut nous picouser, mais ça n'empêchera pas la transmission, le fait de l'attraper, le fait d'être guéri, enfin des tas de choses que voilà. Donc, il n'y a qu'à écouter la généticienne Alexandra Henrion-Code, franchement. Moi j'ai plus confiance en elle qu'à tous ces scientifiques qui se relaient sur BFM merde et qui d'ailleurs ils sont jamais au boulot les gars, ils sont tout le temps sur le plateau de BFM, tu vois. Donc bon, au bout d'un moment, tu te dis qu'est-ce qu'ils font là, ils travaillent quand? Donc voilà. Courage, mes anges, merci de me donner le courage d'être qui je suis. Donc on parle encore de l'être, d'être qui je suis. Merci de m'aider à être authentique et sincère dans mes relations. Que le courage porte mes intentions de façon à traverser chaque épreuve avec fierté et chaque réussite avec joie. Que le courage allume dans mon regard la lumière de la persévérance. C'est génial. Voilà, je suis désolée parce que la lumière, elle baisse, elle remonte, c'est énervant. Mes anges, merci de me donner le courage d'être qui je suis dans mes pensées, mes paroles et mes actes. Merci de m'aider à être authentique et sincère dans mes relations. Que le courage porte mes intentions de façon à traverser chaque épreuve avec fierté et chaque réussite avec joie. Que le courage allume dans mon regard la lumière de la persévérance. Et on va regarder la carte. La carte des messages d'éveil. Alors, on a une très, très jolie illustration. Et on a l'eau de vie. Alors, ce n'est pas l'eau de vie qu'on boit, tu sais. Quoique, de temps en temps, une bonne petite eau de vie, pourquoi pas, ça peut revigorer. Donc, là, on te dit l'eau de vie, je vais te le lire à la carte. Peu importe les événements dans ma vie, je tourne mon regard vers l'éternel. Je me nourris de ce qui est véritable et bon pour moi, l'amour de Dieu. Dieu ou l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Je fais confiance. Non, c'est celle-là. Je fais confiance. Et je laisse couler en moi cette eau de vie. Je laisse la magie de la vie suivre son cours. Avec Dieu ou l'univers, je ne manquerai jamais de rien. Donc en fait, quand je dis toujours Dieu, il pourvoira. Voilà, on nous laisse pas tomber, on est là, on a des épreuves à vivre, on a des expériences à vivre, on a des choix à faire. Certains font des choix, certains. Moi, je respecte les choix des autres. Hein. Ceux qui se font picouser, je suis pas une anti-picouse. Je dis, moi, je veux pas qu'on m'oblige. Je veux pas qu'on m'y oblige. Hein. Mon frère a dit ça très, très justement l'autre jour à table. Il a raison. J'ai rien contre ceux qui se font picouser, mais moi, qu'on me foute la paix. Si tu veux, tu vois. Donc, voilà. Donc, soyez tolérants envers vous-même. De toute façon, on arrive vers une victoire cet été, d'accord? Il faut être confiant et être connecté. Donc, écoutez, on a un super tirage pour cette guidance pour le soin de mercredi 9 juin à 21h. Le soin est à 21h. Ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas sur YouTube, c'est chez toi au calme. Pour tous ceux qui veulent des renseignements sur ce soin, je vous invite à m'envoyer un mail. Voilà, et je vous explique tout, je vous envoie une vidéo explicative. Voilà les amis, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.